n'a pas toujours été avec Sabine et Binaël. Mais là, nous parlons de Kafou Joff. Pas oublier, c'est une rêve, une nord-ouest, c'est Rivière, route Kafou Joff. Kafou Joff, en sa folle, tronçon ça, il tourne en réalité. Vraiment, les gens qui fréquentent nord-ouest, les gens qui ont le port de paix, qu'on s'allie en pile difficulté, et un objectif, caravane va être pris, c'est permettre que finalement, pour le nord-ouest, gagne route ça. Nord-ouest, c'est quand même un département dans la question route qui est très 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 loin. Et il y a pile d'efforts, je dis, qui a fait avec présence caravane, bien entendu, pour que vous comblez le déficit. Ça. Comment ça avance pour Kafou Joff? Qui ça déjà fait? Qui ça pour qu'on fait? Qui ça qui obstacle pour que, avant longtemps, le monde nord-ouest ait accès à Routio? Jean-président de la République pour mettre ça. Nous allons regarder tout ça avec responsable chantier qui t'accepte de répondre à une question, Sabine Jean-Étienne avec Jean-Noël Duvalet. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Caravane Changement. Et nous avons fait plusieurs visites sur route là, nous sommes à Kafou Joff pour entrer à Gomon. Nous avons une série de travaux à faire. Est-ce qu'on est capable d'expliquer pour les téléspectateurs l'émission Caravane Changement qui ça travaille ça? Oui. D'accord. Nous-mêmes, le travail là, nous divisons en plusieurs sections. C'est-à-dire de PK0 à PK5, nous asphaltons déjà, on pourrait asphalter. Mais il était à côté de moi pour nous faire avec des murs de l'autre bois fossé. Ensuite, nous avons une déviation. Déviation sortie de PK10-5 à PK10-15-200. Là, on parle de PK. Qui ça en PK veut dire? En PK, son point kilométrique. Ça veut dire que c'est longueur, c'est sous longueur. PK 15, c'est 15 km. C'est 15 km. À partir de qui ça? À partir de Kafou Joff. Kafou Joff, nous considérons comme PK 0. 0 km. D'accord? Cognier, qui ça? Nous diviser deuxième tronçon ça. Deuxième tronçon ça, nous obligeons de passer par déviation, par monde. Parce que tronçon ça, chaque la pluie, il est inondé et chaque cyclone, il est endommagé. C'est-à-dire, sauf qu'on a investi des jardins qui allaient. Qui allait déjà. Donc, nous n'avons pas qu'à reconstruire et tronçon ça à même côté. Nous sommes obligés de passer dans mon navette, c'est ça nous relève déviation. Déviation fait 10 km. Donc, c'est là-dedans que nous travaillons. Nous avons un bulldozer qui travaille là-dedans. Donc, après 10 km, ça, nous venons tomber sur la route là, en bas, mon la crête. Mon la crête, dans PK 15 lui-même. Donc, PK 15, nous montons, nous paraître là. Et puis, on a monté sous tête mon la crête, en haut, sommet, PK 16, ça veut dire 16 km. Donc, nous avons 16 km de Kafou Joff. Ok? Donc, pratiquement, l'un arrivé, et avec le deuxième, troisième, tout ça, nous allons faire fossé. C'est-à-dire, au niveau mon la crête, nous finissons couper mon là, nous sommes passés de 14 rampes, là, de 4 pentes, là, de raides, de 14%, nous diminuons à 9%. Donc maintenant, on peut passer sans problème, on va même compter si on passe là. Et ça, nous va l'asphalter le dos. Et qui ça n'a pas fait ce travail qui était pour faire entre Kafou Joff? Parce que l'homme, on a rentré, il vient pas de paix, arrivé en quantité dans la route là, on partit dans la route là, où est asphalte dans le campé. Quand on a ce travail là, on commence encore plus bas, puis devant dans la zone de la crête. Qui ça a fait à tronçon ça? Tronçon ça, pratiquement, il a construit en construction parce que nous avons un bulldozer sous lui. Nous avons un problème qui fait nous tarder à tronçon ça. Nous avons un problème d'expropriation. Il n'est pas campé. Il n'est pas campé. Parce que, et après, nous avons deux cailles qui tombent directement en dedans. Et en dans terrassement. Donc, il faut pour prendre toute emprise là, il faut qu'on élimine les cailles ça de toute façon. Mais nous et CPA, il y a une procédure pour lui exproprier Mounio pour qu'il déplacer. Et travail ça, nous sommes visités sur route là, nous avons fait, Kafou Joff avancé à grands pas. Et travail ça, dans combien de temps comme ça, nous pensons que nous allons remettre marchandises là? En principe, deux ans, nous planifions deux ans pour nous arriver. Et travail qu'a fait au niveau mon la crête là, dans combien de temps nous pensons la bien ta fait? Mon la crête là d'ici mois de novembre, n'a fini avec elle. On fini avec mois de novembre. Donc asphalte là, nous commencer asphalte là d'ici mois de novembre décembre, nous connecter bout ça. D'accord. Deuxième tronçon que nous allons envisager, c'est de la Cule vers Gomon. Et puis nous avons un quatrième tronçon de la Cule vers Bassin Bleu. À partir de qui matière n'a fait travail ça? Parce que il était bruit que nous pas gagné matériau pour continuer travailler. Côté nous jeune matière pour nous faire. Non, nous joignons matière dans et laboratoire. À partir de laboratoire qui fait des tests sous lui, nous gagnons Rivière la Cule, Rivière la Branle.
la branle qui va nos matériaux, rivière la Cule qui va nos matériaux. Mm-hmm. D'accord? Donc pratiquement on a fait corps de chaussée, c'est-à-dire fondation hein, avec matériaux tout venant de la branle et de la Cule et trois rivières. Mais donc ici là la Cule là dans base nous là le travail normalement le fonctionne. Le travail normalement le fonctionner. La préparer matériaux pour nous café à soit. Mm-hmm. Et nous pas le faire à soit. Sous toute pratiquement de Kafoujof à Port-de-Paix, c'est 77 km. Mm-hmm. D'accord? Donc de Kafoujof à Gaumont, c'est 23 km. Et c'est sous l'île là. C'est sous l'île là. Merci. Donc, pratiquement avant de gagner déviation, de gagner 26 km. Avec déviation, nous économiser 3 km. Et zone non pas inondable. Sous Pasken, nous font déviation tout sous Pasken, mais qui picoute. Donc, de telle sorte, nous obligés de passer dans mon nom pour aller. Merci un peu, l'ingénieur Franck Joseph. Problème, pas de problème. Ingénieur Franck Joseph, qui t'abonne nous tout détail, voilà, nous avons suffisamment édifié sur question route ça, Kafoujof en sa folleur, ingénieur abonne toute précision, qui côté travail, mais qui niveau avancé, qui est ça de après le gain pour Paris là avant longtemps. Alors là, pour le Nord-Ouest, vraiment, plus de peur que de mal, travail, recommencer et ingénieur pour mettre, pour pas camper et pour arriver jouk nan bout yo.